Salut tout le monde. Alors, vous voyez, je suis enfin de sortie. On est début décembre et je suis revenu sur mon petit camp fixe qui est à quelques kilomètres de chez moi. Donc ça tombe bien puisqu'on a le droit enfin d'aller à plus d'un kilomètre de chez nous. Ça tombe bien, le camp, il est pas loin de chez moi. Je vais y rester du coup pour 3 heures. Et puis je vais nettoyer un peu le sol, enlever les feuilles mortes, tout ça, ramasser du bois, me faire un petit feu et faire une bonne bouffe qui, je l'espère, vous plaira. Voilà, j'ai renettoyé le sol vite fait, donc voilà, la table, la chaise, le banc. Et c'est surtout autour du coin feu, j'ai enlevé toutes les feuilles mortes, j'ai bien gratté le sol. Je vais me refaire un petit tas de bois que je vais poser là sur le côté à gauche. Et puis ensuite, m'allumer un petit feu. Les feuilles d'érable ont pris un jaune magnifique. C'est vraiment joli. Ça donne de la couleur à la forêt. Niveau bois, je suis bon. J'ai mis du bois sec au sol parce que le sol est bien trempé. Mon petit bois super sec. Et puis là, du moyen et de la bûche. Ah, je suis essoufflé. Mais c'est fait. Pour l'allumage du feu, j'ai récupéré une feuille d'érable qui est super jolie. Et dessus, en fait, j'ai mis c'est des copeaux de bouleau que j'ai récupéré de chez moi, que j'ai ramené dans une petite boîte. Ensuite, j'ai mis des petits morceaux d'écorce de bouleau et je suis venu faire des copeaux de bois gras. Regardez un peu comme il est bien gras, il est magnifique. Et là, j'ai fait des petits bâtonnets et je vais tenter d'allumer ça avec l'opinel et le fire steel. Il n'y a pas de raison que ça marche pas.
Et c'est parti. Maintenant, on va parler un peu bouffe. Alors, pour notre entrée, j'ai prévu une bûche de chèvre. Comme ça, l'entame, je la prends pas. Je la mangerai tout à l'heure. Je vais faire trois belles rondelles, bien épaisses. Voilà. Ensuite, ça c'est du lard fumé. Je vais venir l'enrouler autour de mon chèvre, un premier et un deuxième dans l'autre sens. Voilà, comme ça, des petits chèvres chauds au lard. Je vais fermer trois et ça ce sera mon entrée. Et c'est parti. Les petits chèvres chauds sont sur le feu et ben j'ai des belles braises, du coup j'ai vraiment mis sur le côté pour pas que ça crame. Mes petits chèvres chauds sont prêts, on va pas attendre que ça refroidisse. Impeccable. On va en couper un, voir ce que ça dit. Waouh. Oh, ça va être bon ça. C'est une tuerie. C'est excellent. Bon bah je vous reprends tout à l'heure pour le vrai plat. Ça c'est que l'entrée. Pour le plat de résistance, on va faire des petites patates nouvelles. On va même pas éplucher, on va les couper comme ça avec la peau et on va accompagner ça de gésier de canard confit avec de la graisse de canard. Donc les patates vont sauter dans le gras du canard et les gésiers vont cuire avec les pommes de terre. Ça devrait être normalement très très bon. Allez hop, c'est parti pour une petite demi-heure de cuisson. C'est super chaud. Et voilà à quoi ça ressemble une fois cuit. Donc on peut voir que les petits gésiers de canard sont bien grillés, les patates ont bien sauté. Je vais pas attendre que ça refroidisse et je vais m'enfiler tout ça.
Eh bien, je me suis régalé. C'était super bon. Et ça m'a fait un bien fou de pouvoir revenir un peu dans la forêt, dans la nature. Ça m'a fait un bien fou. Malheureusement, 3 heures, ça passe très vite. Il va falloir que je rentre. J'espère que vous aurez pris du plaisir à suivre cette aventure. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à commenter. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!